Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 avec un petit mode assez sympa. On se retrouve avec le Scania RJL Long Line. On se retrouve après l'intro, à tout de suite. Re les amis, du coup on se retrouve sur le jeu. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit mode assez sympa hein, donc du Scania RJL Long Line. Moi je le trouve vraiment magnifique hein, parce qu'en plus c'est l'ancien Scania Euro 6. Franchement je le trouve magnifique hein. Voilà, regardez-moi ça, Euro 6, le Long Line avec la petite remorque. Moi je l'appelle la remorque de fermier parce que ça fait un peu penser où on transporte un peu du bétail dessus. Enfin bref, moi j'aime beaucoup en tout cas la couleur. Bon, il est très simple hein, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter à part l'intérieur. On a changé le volant. Alors, je pense que certains connaissent maintenant le volant de l'intérieur. Donc je vais tout de suite vous le montrer. Je suis avec le tracker hein, les amis. On est en Corse en plus. Donc voilà. Alors par contre le tracker il m'a l'air un peu trop... Hop, voilà, j'ai changé les paramètres du tracker parce que vous avez vu, il était un peu trop surexcité. Donc là, vous voyez, là c'est un peu mieux. Donc voici l'intérieur. Hein. Bon, bah ça ressemble à celui-là de base avec juste le volant avec les trois plates, l'espèce de trois petites platines avec le Scania Vabis hein, qui a écrit au milieu. On est en Corse et nous allons en direction de Porto Vecchio chercher notre cargaison pour aller à Bastia. Je vous laisse apprécier le moteur. C'est parti. Bon, en fait c'est le moteur basique du jeu je crois, tout simplement. Allez c'est parti, on va partir. On va partir tout de suite chercher notre petite remorque bien sympatoche. Hop, on sort tranquillement. Hop, là il n'y a personne. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire que de toute façon on y va à l'improviste. Voilà, c'est limité à 50. On a 20 km pour parcourir notre petite... Voilà. Je vous laisse en même temps écouter le son du moteur. On est sur la petite nationale. Alors, j'ai pris la 12 vitesse hein, dessus. Vraiment, dites-moi si vous aimez bien les petites vidéos de Retroc. Je sais qu'il y en a, ça leur plaît beaucoup. Dom Dépôt, ça s'appelle. J'ai l'impression de conduire le Scania T avec ce volant. Hop, on arrive dans 7 km pour charger la cargaison. Donc ce sera un petit trajet aujourd'hui. Hein. De toute façon, comme chaque vidéo de Retroc, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais dites-moi si vous aimez bien ce mode de vidéo. Hop, il y a notre essence qui est fait. Les appels de phare. On va mettre bien sûr les gyrophares. Hein. Ah, il y a un cimetière, il est beau. J'ai jamais vu qu'il y avait un cimetière dans Euro Truck. La ville de Porto Vecchio qui est magnifique. Putain, il y a beaucoup de travaux en tout cas en ce moment. Les bruits, j'aime bien. J'aime beaucoup les bruits. Il fait 30 degrés, hein, c'est la Corse, on aime bien de toute façon la Corse, j'ai envie de dire. Et on va livrer chez Winnet. Punaise, on va livrer chez Winnet Transport. Donc d'ailleurs les amis, pour ceux et celles qui recherchent
une entreprise, une grande entreprise. Hein. Écoutez, je vous propose de rentrer dans la nôtre. On est 4 patrons, ça s'appelle la SLJO. Tous les infos seront dans la description. Alors juste attendez, offre de fret, j'espère qu'il y est toujours. Ajaccio. Ah bah c'est cool ça. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler sur Discord, hein. Vous avez mon Discord dans la description. Et vous avez un coin recrutement SLJO, quelque chose comme ça il me semble. Donc surtout, n'hésitez pas à postuler, je serai vraiment ravi de vous y répondre. Alors bien sûr, j'ai envie de vous dire... Attendez, parce que putain, je vois rien. J'ai envie de vous dire, on est à peu près 20 dans l'entreprise. On fait souvent des convois en live, hein, comme certains peuvent connaître à peu près. Donc surtout, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et ça ferait plaisir à nos 4 patrons, Sam, Molly, Joe et moi. Et donc franchement, n'hésitez pas, hein, je la répète encore une dernière fois, n'hésitez pas à postuler, ça nous ferait vraiment très plaisir. Vous faites ce que vous voulez dans l'entreprise, vous pouvez rouler autant que vous voulez. En fait, vous êtes libre aussi, puis vous pouvez aussi surtout, ce qui est bien, c'est avoir l'accès Discord, un plus sur notre channel, et puis faire beaucoup plus de convois avec nous, et vous serez sur les lives avec nous. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà. Allop, voilà, chargement de la marchandise. Ah non, 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 non. Ouais, ça va. Et alors, on transporte de quoi? On transporte de la canalisation. On va faire du chantier, putain, et c'est beau gosse en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que si je passe pas à la vitesse, ça va pas le faire. Donc voilà les amis, hein, surtout, franchement, ça me ferait très plaisir qu'il y ait du monde qui vienne sur la SLJO. De plus en plus. Donc la SLJO, en plus on est à peu près 20 conducteurs. Il y a 4 patrons, il y a 2 recruteurs et 1 commercial. On est vraiment dans le bon thème en plus, hein, voilà, et on fait souvent des convois, plusieurs, et puis comme on dit, plus on monte, plus ça fait plaisir quoi. Je vais pas mettre les phares, ça sert à rien. Vraiment, il est magnifique. Ouf. Belle photo à prendre là. Et il est long, hein. C'est vrai qu'il est long. Bon après, l'intérieur, il est comme le R. Hein. Exactement le même. Hein. Ils ont mis l'intérieur du dernier qui est sorti sur Eurotruck. J'adore prendre les ronds-points. Elle en arrive dans 150 km. On a un collègue en face. Donc dites-moi vraiment si vous voulez que je fasse de plus en plus de vidéos sur Eurotruck. Déjà j'ai vu que ça faisait à peu près longtemps que j'en avais pas fait. Et j'ai vu en tout cas qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé les dernières vidéos sur Eurotruck. On a déjà une vidéo qui a atteint presque les plus de 20 000 vues. Enfin c'était un truc de ouf. Alors franchement je vais en faire de plus en plus. Hein, ça ne vous inquiétez pas pour ça. Et j'espère vous donner de plus en plus de contenu sur tout type de jeu quoi. Voilà. Il devrait améliorer les vues quand même dans Eurotruck, je trouve. Hop, on va prendre la fameuse nationale pour aller en direction de Corté. Et on a 18 tonnes. Ah, ça va, c'est pas si lourd que ça. Je pensais que c'était plus lourd que ça, tu vois. C'est dommage par contre qu'on peut pas avoir le mode GPS. Parce que sinon, je l'aurais bien mis le mode GPS. Allez, on va rester sur une moyenne de 70 km par heure. Ah, c'est limité à 50. On était garé là tout à l'heure.
Il fait 30 degrés. C'est la Corse. Devon. En plus, je suis déjà passé ici dans la vraie vie. Parce que j'ai déjà été en vacances en Corse. Joli renoté. Et en tout cas, je peux vous dire, c'est il y a beaucoup de choses qui y ressemblent. Hop, on va essayer de bien conduire cette fois-ci. C'est important de bien conduire. Pour que vous ayez du bon gameplay, j'ai envie de dire. On arrive sur des zigzags là. Mais c'est beau en tout cas, moi j'aime beaucoup. La Corse qui est un pays... Alors c'est vrai qu'on appelle ça un pays, mais bon c'est pas vraiment... C'est... Ça fait partie de la France hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas j'aime beaucoup... La dernière fois j'avais fait une vidéo sur la Corse, mais c'était de nuit, c'était dommage. Les belles plages de Corse. Eh oui, je connais cet endroit, le fameux camping. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens de ce fameux endroit en plus. Ils ont vraiment bien reproduit, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils ont carrément été sur place peut-être. Je sais pas comment ils ont fait. Je pense pas qu'ils ont fait par Google Earth. Qu'est-ce que c'est beau. On a un autre collègue. Le volant qui tremble en plus. Ça fait vraiment camion ancien, c'est vrai, j'avoue. Et le volant, j'avoue, il est sympa. Ça change un peu, je trouve. Ça fait du bien, quoi. Hop, on va arriver sur Artelia. Artelia. Non, ça se dit pas Artelia, c'est la ville qu'on va arriver, je ne sais plus comment elle s'appelle. Aleria, voilà, c'est ça. On va arriver sur Aleria du coup. Ah, il y a un collègue qui a la même remorque que moi au loin. On a une C4 juste devant nous. Nous, nous allons tourner à gauche. Et le fameux pont qui existe dans la vraie vie. Ouais, écoutez, pas grave. Hop là. Magnifique maison ici. Et là, on va rentrer dans les terres de Corté. Là, ça va être du... Là, vous allez voir, il y aura de la route, là. Ça, c'est sûr, hein. On va aller un peu doucement, tranquillou. Ouais, ça existe vraiment tous ces vestiges qu'il y a sur le côté. J'espère que vous appréciez la route. Le fameux pont avec le barrage. Alors dites-moi si vous avez des idées de mode hein, sur Outrock, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, ça me ferait vraiment très plaisir que d'ailleurs vous vous investissiez dans le game avec moi.
Puis comme ça, ça peut permettre de faire beaucoup plus de vidéos. Donc franchement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment très très plaisir. Voilà, là on est à Corté. Je me souviens exactement de ce tunnel. Et sauf que j'ai pas vu de panneau Corté. C'est dommage qu'ils n'ont pas reproduit la ville de Corté, parce que c'est vraiment une jolie ville. Et 18h, hein, la nuit commence à tomber. Allez, on va mettre les... Oh, non, il fait encore jour, ça va. Il fait encore jour. Allez, on va mettre les phares en fait. Petit hôtel sympa. Dommage qu'ils n'ont pas reproduit des animaux dans le jeu. Avec des sangliers ou des trucs comme ça. Comme dans la vraie vie, quoi. Et nous arrivons à la gare. À la gare, putain, j'ai tellement l'habitude de dire ça. Et nous arrivons à la ville de Ajaccio. Voilà, on va aller poster la remorque. Allez, avance! Ah putain. Bon, mais c'est gentil de ta part. T'étais pas obligé de me laisser passer. Ah, ça, ils ont pas encore évolué les IA dans le jeu en tout cas. Hein. On va essayer de le faire vraiment très propre. Allez. On manœuvre vraiment RP. C'est très rare qu'on fait ça de base. Vous savez, on utilise la vue extérieure. Et c'est vrai que là, vraiment pour vous, je vous le fais en mode RP. Mais d'habitude, je n'y arrive jamais. Et là, bon, bah, ça va. On a l'air. On va dire, je me débrouille. Ça va. Il y a pire. MDR, ça veut dire il y a pire. Mais regardez comme si c'est pas Thibaut ça. Enfin Thibaut, c'est plutôt beau. Que Thibaut ça n'existe pas, enfin c'est un prénom tu vois. C'est propre tout ça. Bah écoutez les amis, je suis vraiment content d'avoir fait le petit manœuvre, la petite manœuvre en RP. Ça donne du goût je trouve.
Du coup, bah écoutez, merci à tous d'avoir été là sur sur le jeu. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, comme au début de la vidéo, n'hésitez pas à aller dans les recrutements de Discord pour aller sur notre entreprise qui s'appelle la SLJO Transport. N'hésitez pas non plus à me donner aussi des idées si vous voulez que je continue avec Eurotruck, etc. Franchement, ça me ferait vraiment très très plaisir. Bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous de bons games, les amis. C'était Monsieur LOL. Je vous souhaite à tous de bons games. Hein, je le répète encore v'là les fois, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous, les amis. C'était Monsieur LOL. Bisous tout le monde.